Donc là, on est sur une opération qui regroupe donc deux sites vis-à-vis où les bâtiments ont été démolis pour être construits. Par rapport à l'architecture vue de l'extérieur, on a cherché à mettre en place un vocabulaire extrêmement simple qui s'inscrit justement dans un peu l'identité de l'ancien lotissement. Le lotissement était constitué de bâtiments de construction très très modeste, très pauvre même. Et très, surtout très vétuste, donc c'est rentré dans la vocation de la science d'éradiquer ces logements très vétustes dans le cadre de sa mission d'éradication des immeubles insalubres. Bonjour, je suis M. Benmamar, le gardien de la Sciente, 10e arrondissement. C'est un bâtiment tout neuf, moderne, et il a des logements bien spacieux. La plupart des habitants ici ne se plaignent pas, c'est des gens qui ont plus de commodité, ils en ont l'hôpital à côté, ils en ont plus de transport. C'est un quartier un peu animé. Il y en a beaucoup de visiteurs de ça dans ce quartier-là. Et la vie, elle est agréable, ici, au 10e. Donc, ça a été un projet fait sur concours qu'on a gagné en 2010. Et donc, une des priorités de ce projet, c'était de faire un peu de place pour cette maison qui est protégée par les amis du Vieux-Paris. Et donc on nous avait demandé de traiter le pignon. Donc en fait, comme une politesse, on a essayé de rejoindre les deux noues de gouttière. Et donc on a trois pans inclinés qui se retirent un petit peu, qui permettent de respecter le PLU et en même temps de faire un petit peu de place au niveau de la façade. On a repris, surtout en partant de la gauche, le langage faubourien des fenêtres. Et ensuite, il vient se déranger sur la partie droite. Oui, pour aider après la... Moi, je vais dire deux ou trois mots au nom de l'État. D'abord, c'est vrai que c'était une jolie balade. Une balade dans le Paris ouvrier, dans Paris qui n'oublie pas sa mémoire. Il faut saluer la volonté de la maire de Paris, c'est un choix qu'elle assume fortement, et le travail des bailleurs accompagnés par les architectes, de faire en sorte que Paris ne devienne pas un grand club de riches. Et donc là, ces logements sociaux, c'est l'occasion, avec le respect et la politesse qui a été évoquée pour se passer de Paris, c'est l'occasion d'accueillir des gens aux revenus plus modestes. Puisque ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une espèce de dynamique, de belle dynamique, qui est à l'œuvre partout en Ile-de-France. Et donc, c'est plus de 82 000 logements qui sont autorisés. Et dans ces 82 000, il y en a plus de 32 000 de mémoire qui sont des logements sociaux.